Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Un bel anticyclone nous protège et si le front ondule encore un peu sur le nord-ouest du pays, il ne donnera que des nuages inoffensifs demain matin. Et c'est donc une journée dominicale sous le signe de l'été et du soleil. Car il sera bien présent malgré la présence donc de ces cumulus qui bourgeonneront un petit peu de la Bretagne à la Normandie, des Pays de la Loire en Île-de-France jusqu'à l'Alsace et la Lorraine, mais sans conséquence. Très vite à l'arrière, le soleil sera bien généreux et au sud de la France et à l'est, grand soleil. Après-midi, il va dominer ce soleil. Toutefois, avec une évolution diurne des températures élevées et quelques résidus d'humidité, nous aurons sur la chaîne des Pyrénées, le massif central et le relief des Alpes du Sud et de la Corse, quelques averses localement orageuses, mais des averses qui seront vraiment intermittentes et en fin de soirée. Pour le paysage, eh bien, il sera ensoleillé avec un vent de nord-ouest sur la côte atlantique et un vent de sud-ouest sur les côtes de la Manche. Tout ceci sur fond de températures élevées, puisque dès le matin, elles oscilleront entre 12 et 23 degrés au lever du jour. C'est dans le sud-est qu'il fera le plus chaud et dans l'après-midi, eh bien, elles évolueront à la hausse avec des valeurs entre 19 et 34 degrés sous abri. Dans le nord-ouest, il fera un petit peu plus frais, mais ce sera bien agréable. La tendance pour les prochains jours, eh bien, lundi, très beau temps. L'anticyclone va regonfler sur l'ensemble de la France, mais nous aurons encore, par évolution diurne, une petite convection sur les Pyrénées, les Alpes et la Corse avec un risque d'averse. Les températures, et elles persisteront dans cette remontée estivale jusqu'à mardi avec 30 et 33 degrés, un soleil généreux et encore, par évolution diurne, ces quelques petites averses sur la chaîne des Pyrénées et sur le Mercantour. Partout ailleurs, grand soleil et quelques cirrus seulement viendront visiter la pointe de la Bretagne. Normalement, la semaine devrait être estivale avec une petite dégradation orageuse à partir de mercredi qui normalement devrait se terminer vendredi et nous attendons un très beau week-end de la semaine prochaine aussi. Belle soirée à notre compagnie, nous fêterons Pierre et Paul demain.